J'ai profité de ce moment où il n'y avait rien dit pour vous surprendre. Pour une fois qu'on ne disait pas des niaiseries. Ben non, on était très revendicateurs. Oui, ouais. C'était sensible, c'était intelligent. Oui. D'accord. Pas comme d'autres gens. Ah! Mais c'est pas qui. C'est pas c'est quoi. D'autres podcasts, des fois, qui peuvent dire des choses bizarres. C'est pas lesquels. On dit pas lesquels. On les nommera pas. Non. Mais ils ont pas rapport à l'univers dans lequel on est. Parce que la communauté des ND sont bien. Eux sont mes amis. C'est les meilleurs. Mais bon. Bienvenue à Sous-Solid Dragon. Hello. On en reparlera à l'after party, j'imagine. Alors, on est rendu à l'épisode 68. Yes. Oui. Et on vous l'annonce tout de suite à l'épisode 70, Benoît aura les cheveux rouges. Ça sent bien. Hey, ça a bien été. Ça va pas. On pourrait être le duo des frères et sœurs aux cheveux de couleur. Oui. Cet archétype populaire. Oui, être le duo des frères et sœurs qui ferment leur téléphone. Moi, je participe à ce duo-là, je veux juste dire. Alors, on est rendu à l'épisode 68. On va commencer notre petit laïus habituel en commençant par vous dire bienvenue, merci d'être là. Si vous êtes rendu à l'épisode 68, vous êtes des malades mentaux qu'on aime. Yeah. Et il y a eu un bot vraiment pas représentatif. Représentatif de la population pour savoir si sous-soleux et sous-soleuses passaient. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était quand même mieux que cave. Oui, effectivement. Pas fou. Alors, pour l'instant, vous êtes donc, si vous l'acceptez, si vous le désirez, on vous impose rien. Des sous-soleux ou des sous-soleuses? C'est mieux que cave. Oh, oui, wow. C'est parce qu'on a tendance à dire ça a eu gain de cave. Au début, d'habitude, dans cet épisode, on dit ça. On pourrait dire les sous-solites. Oh. Ça a l'air d'une maladie. Ah, il pas. Puis c'est gender, neutral. Ouais, c'est tout solide et épicé. On a juste ajouté un S, puis ça marcherait sous-soliste comme alpiniste. Ouais, sous-soliste. Ah, les sous-solistes. C'est comme si on était des solistes. Mais on peut vous laisser choisir. Ça, c'est la deuxième ronde de vote. Ou on garde les deux. Mais ouais, j'aime bien. Moi, j'avoue que j'aime bien sous-soliste. J'adore. C'est adopté. Right. Bravo. Adopté. Après, 2004, si vous identifiez plus à sous-soleux ou sous-soleuse, d'accord. C'est sous-solistes. Notre groupe. Incroyable. 4 épisodes, puis c'était pas bon. OK. Ensemble, j'avais une liste. On est en feu. Moi, je dirais qu'on est en feu, ouais. OK, on arrête ça. Donc, nous sommes excités, mais nous sommes aussi sur plein de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. OK, chut. C'est comme Facebook, Instagram et TikTok pour mettre nos petites vidéos. On est sur YouTube pour notre campagne, notre contenu principal, dans le fond, là, donc nos campagnes, nos épisodes spéciaux, etc. Et on est aussi sur Spotify pour le même contenu. Cela dit, on est aussi sur plein d'autres plateformes de podcasts, seulement à l'audio. Alors, si vous voulez juste entendre vos douces voix, c'est possible là aussi. Mais c'est possible sur Spotify. Vous pouvez même, tu sais, comme nous mettre sur YouTube, fermer l'écran, aller où vous voulez, puis écoutez-nous comme vous voulez. Si vous êtes couché à l'envers sur votre sofa, en bobette, en train de manger des crottes de fromage, c'est parfait. Bref, ça c'est dit. On a un Patreon, puis c'est cool. Oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je passerai tout de suite à Travis Savoie. Yes. Alors, la musique que vous allez entendre pendant cette quête, comme pendant toutes les autres. Non, ma gorge. Oh, Samuel. Alors, t'as knocké MC. J'ai-tu fait ça? Non, moi, c'est parce que le micro était là. Ah, ben, cool. Alors, Travis Savoie, merci de nous accompagner pendant nos quêtes. Plein de love. Ça, c'est l'intro la plus... la plus diffuse. Fail. On la recommence-tu? Pour on est non, désolé. Non, moi, je pense que c'est la meilleure. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire ici. C'est tout. On pourrait résumer peut-être l'épisode 67. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors... Je pas non? Oui? Ça, mais ça n'a pas rapport avec... Mais t'as fini l'introduction? Oui. On va s'en dire à ça. Ça, c'est normal si tu ne trouves pas évasion. Non, on l'a trouvé. Ah, OK. Laisse faire, c'est pas normal dans ce cas-là. On s'en parle. Mais c'est normal si tu le trouves pas. Oui. Ouais. OK, parfait, on s'en parle. On a des petites notes de jeu. Parce qu'on est rendu niveau 7, puis on se comprend. On capote. OK, hey, merci, c'est gentil. On capote sur notre niveau 7.
Chantal a tellement capoté qu'elle était rendue niveau 8. Oui, j'ai monté à deux niveaux. OK. Est-ce que mais ça va nous résumer? Hey, je suis tellement là, là. Hey. Tellement là. Et on est là? Fait que... Je me souviens qu'on se raconte une histoire. Oui. Alors, au dernier épisode, vous vous êtes retrouvés au pied du barrage qui retenait cette magnifique rivière qui avait comme trajectoire le trou des ombres. Si seulement le barrage pouvait céder. Et c'était votre objectif. Accompagné de sa tante, Férine. Si... Et mon dieu. Oui. Et de Laurent Courbouillon. Vous vous êtes rendu silencieusement et subtilement, grâce à un Pass Without Trace efficace, à l'intérieur du barrage. À l'intérieur du barrage, vous y avez déposé des barils de poudre et après un peu de cuisine avec une corde et de l'huile, vous êtes arrivé à allumer une mèche, puis à ressortir de ce dit barrage pour vous rendre compte qu'il y avait un groupe qui vous y attendait, entre autres Parfinoukt, ainsi que ses collègues, certains de ses collègues, pour vous mettre la main au collet et probablement tous vous tuer. S'en est suivi un long combat. C'est terminé par votre semi-victoire, puisque Parfinoukt s'est sauvé. C'est ça. Vous l'avez vu quitter de l'autre côté du barrage, alors qu'il vous envoyait de ses mini-sbires, comme ça. Des esprits. Des doigts d'eau de malheur. Des esprits soldats guerriers, appelons ça comme ça. Et que vous vous sauviez vous-même. Mm-hmm. Vous avez donc quitté la proximité du barrage juste à temps pour qu'il explose et qu'il emporte avec lui une majorité du groupe de cette équipe des ombres. Pas Parfinoukt, mais qu'il détruit et que l'eau détruise leur repère. Mm-hmm. Vous vous êtes éloigné de cet endroit. Vous avez vu Parfinoukt qui est dans l'autre direction. Et Ozokyo a reçu dans son livre avec lequel il peut communiquer avec Okran une note qui disait « Alcar est en guerre. » Oh, c'est mystère. C'est mystère est en guerre. C'est là-dessus que nous nous étions laissés. Oui. Question parenthèse. Oui. Est-ce qu'on peut me rappeler de quoi il y avait l'air, Parfinoukt? Il y avait l'air d'un... Il avait l'air d'une espèce de vautour, je dirais trois quarts vautour, un quart humanoïde. Donc, il y avait des plumes et de la peau sur le bec, mais qui pendaient. Il y avait aussi quelques plumes et aussi du poil sur les bras. C'était comme un mélange. De, clairement, vous avez compris que c'était une créature, probablement un fiend ou... Non, t'as pas compris ça, mais... Rien à voir avec moi, maintenant. Non. Non, toi, t'es vraiment moitié-moitié. Ouais, c'est ça. Tu vis, c'était plus vautour. Moi, je pensais que c'était comme un apparat. Tu sais, je pensais qu'il s'était mis du. Un genre de. Si on veut, un genre de masque ou un genre de casque en forme de. Mais c'est lui. Ben, dans son background, il a travaillé chez Michaels. Ouais. Je ne pensais pas le dire. Ça a bien mal vécu. OK. Je vais noter ça. Il était rendu gérant. L'époque de Noël, là, il y avait bien. Oh non, il y avait bien. C'est le rush, mais moi, je suis une grande fan de Michaels. Oui. Ouais. OK, ben merci pour la précision. Super. Merci, Michaels. Merci, Michaels. Peut-être un commanditaire. Ah, je serais down. Hein. Bref. Enough about c'est me. C'est ici qu'on se retrouve. Alors que vous avez marché probablement quelques heures quand même avant d'établir un campement à l'extérieur de cette espèce de bulle qui était créée autour de Norwick. Oui, on en a besoin. Et que vous êtes établi un campement dans le plan matériel cette fois-ci, donc en signant avec Laurent. Oui, c'est ça. Et Férine. Puis, je vous imagine donc autour d'un feu, en train de grignoter quelque chose que Laurent aurait peut-être essayé de préparer avec ce qui vous restait de ration, puis ce qu'il a trouvé dans la forêt avec l'aide de Max, peut-être. Il n'y a pas de forêt dans ce coin-là, mais dans la plaine, disons-le comme ça. Oui, parce que là, il y a de la vie, là. On n'est plus dans le plan weird. Non, il y a de la vie, vous êtes. Oui, oui, tout à fait. Enfin. La table est à vous. Moi, j'avais fait mon petit song of rest, fait que... Tu l'as fait déjà, hein, c'est ça? Tu chantes les dernières notes. Ouais.
rest on all the clips of the home. Laurent. Ouais. Le village le plus proche, ce serait quoi? Est-ce que tu connais-tu un peu la région ici? Bah oui. Oui. En termes de village, bon, au nord de Skaroun, il n'y a pas vraiment de village. Non. OK. Le plus près, ça serait Skaroun. Ah, OK. Okay. À moins qu'on décide de couper... Je suis mauvais avec mes points cardinaux. Plus à l'est. À ce moment-là, il y avait un ancien village gnome il y a longtemps, mais il a brûlé. Et puis, si on continue, éventuellement, vous arriverez au fort d'Orlam. C'est quoi ça? C'est la garnison de l'armée de Thémistère. OK. Oh, mais là, Okren, on sait-tu où? Bon, je vais lui demander. J'écris dans le cahier pour savoir, est-ce que t'es au fort d'Orlan ou à Alcar? Vous parlez de quelle forêt vous parlez? L'Instrol. On n'est pas loin de l'Instrol? Ah bah, on n'est pas loin, c'est relatif. Peut-être une journée de marche pour traverser la rivière. On a manqué le pont tout à l'heure, alors il faudrait revenir au sud. Baigner, pour ceux qui aiment ça. Et puis, de l'autre côté, évidemment, vous allez arriver à une grosse pierre, et puis il y aurait le village de l'Instrol. La grosse pierre? La grosse pierre? Ta forêt? Ta oui. forêt? Oui. Ben, on est allé dans le livre. Ouais, ouais. Oui. Le livre. On a lu un livre. Oui. Ça parlait de la pierre. Ouais. Vous savez lire, c'est voyager. Hein? Ouais. Non, non. D'accord. Voilà. Veux-tu qu'on aille là? Parce que... Il n'y a pas... Mais... Ben, c'est sur le chemin. C'était sur le chemin. Ben, ça vous intrigue pas, peut-être, de voir... Oui. C'est pas ça. Mais c'est vraiment dirait... sur le chemin de... Parce qu'il y a Corbillon et d'autres personnes qui savent pas... De toute façon, c'est sur le chemin de quoi, là? On s'en va où? Ben, il faudrait peut-être aller au fort d'Orlan. On retourne à Alcar ou on va aller rejoindre... En tout cas, Okren, il a dit... Aller rejoindre Okren pour savoir ce qui se passe avec la guerre et tout, mais moi, je pense que c'est important de faire un... Quand même, ça sera un détour de quelques heures. Là. Tant que moi, c'est pas un détour. Là. La guerre, ça n'a pas rapport avec nous autres, de toute façon. Là. Ben, ça n'a pas rapport avec nous autres. Je suis pas soldat, moi, j'irai pas me battre à la guerre. Non, c'est pas ça que je dis, mais si Thémistère est en guerre, je peux pas croire qu'on peut aller gambader en forêt puis se dire que ça n'a pas rapport à nous. Là. Ça va nous rejoindre un jour ou un autre. Je pense pas qu'on peut changer quoi que ce soit. Là. Si je peux me permettre, les amours, Férine ici, je ne vous suivrai pas au fort d'Orlam si c'est là-bas que vous allez. Pourquoi? Bah, je crois que j'ai mérité une petite pause. Petite. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses, Lorinichou? Bah, moi, tu sais, je suis en deux trucs présentement, alors... Tu la prendrais où, ta pause? Ouf, je sais pas. Ici, peut-être, chérie. Là-bas. On pourrait aller en Golvan. Il fait chaud à ce temps-ci de l'année. Peut-être à Skaroun. Peut-être dans les montagnes. Juste... me rafraîchir un peu. J'ai passé quand même plusieurs semaines dans ce trou et... Des semaines? Je prendrais bien un peu de tendresse. Ça va? Oui, oui. T'es toute piteuse. Je suis pas toute piteuse, là. T'es toujours toute piteuse. Premièrement, non, c'est pas vrai. Hein? Eux, ils savent que je suis pas tout le temps piteuse. C'est juste qu'en ce moment, c'est une situation. T'es assez joviale. Ouais. T'es assez joviale. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Là. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui nous réjouit beaucoup dans les soirées autour d'un bon verre. Les soirées où j'ai le droit de jouer. Hein? Parce que ça fait un bout que j'ai pas le droit de jouer dans les soirées. Ça, je dis rien. En tout cas, je vais juste dire que c'est une situation... Là, il y a beaucoup d'affaires en même temps, puis c'est stressant. Je suis pas piteuse, je suis stressée. Ça va changer, chérie, la situation. T'inquiète pas. Ce qui avait à être réglé a été réglé.
mais encore. On s'en reparlera. De ça. Peut-être deux, mais... Ouais, c'est pas grave, là. On s'en reparlera. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien à cacher, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux savoir? Elle vous dit qu'il y a quelque chose qui a été réglé. Ah, vas-tu avoir le droit de rejouer partout ce qu'elle veut? Ben. C'est peut-être pas de leurs affaires. Ils n'ont peut-être pas le goût d'être mêlés à cette conversation-là, c'est juste ça que je dis. Ah non, ça nous intéresse. Hey, hey, hey. Ah. Oh, je pense que j'ai vu une petite souris là-bas, on pourrait peut-être aller... J'y vais! Je Alap, viens, t'es bon pour les attraper, toi. On est déjà attrapé. Ouais, mais on l'a perdu. Oui, OK, OK. Je vois reste, pas de souris. Je reste un petit peu là-bas, je vais juste lire un peu de mes livres. Là. OK, OK. Puis moi, je vais aller trouver de quoi faire de la confiture. Ah, bon, de la confiture, c'est ça. De l'eau là-bas, et puis... C'est dans la subtilité, mes amis. Non, vraiment pas. Non, oh, c'est du sarcasme. Ouais. Mm. Moi aussi. Ça va-tu? Moi, ça va. Mieux. Toi, ma chérie, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que j'ai? On s'est pas laissé sur de très bons termes, mettons. On s'est laissé sur les meilleurs termes que je peux, chérie. Pourquoi? C'était quoi là, la game là, de. Premièrement, moi je le crousais pas, Elianel, là, on va calmer. Là. tu ne devrais pas, non? Ouais, il ne te mérite pas, mon amour. Tu mérites beaucoup mieux. Je sais que tu en doutes, mais tu mérites vraiment mieux que ça. Fait que c'était quoi, ce show-là? De me faire avoir l'air d'une traînée devant tout le monde, puis de me faire boycotter partout, c'était quoi ça? Il y avait deux objectifs. Le premier, c'était de te sauver le cul. Parce que je me faisais poursuivre par... ceux qu'on vient de moyer. Par les hommes? Oui. OK, puis ça te tentait pas de m'en parler? Non. Je voulais pas te mêler à ça. Mais comme une vraie silco, t'es venu mettre tes cornes là-dedans. À ma défense, c'est vraiment ce qu'on appelle le hasard des choses. Oh, ça me déçoit un peu, là. Mais oui, j'ai dû faire ça parce que je voulais que ce soit interprété comme... je sais pas, comme vrai. Ouais, c'est pas un mot que j'apprécie vraiment, mais oui, comme vrai. Comme si je te détestais vraiment, tu comprends? Je ne voulais pas avoir à dire ton nom. J'ai dû en dire un autre, mais... As-tu fait un pacte avec eux autres? Les pactes de noms dont Zoku a parlé? Oui. Mais là, c'est qui? Ça me concerne-tu? Ça concerne-tu quelqu'un de la famille? Parce que là, on ne sait pas là, s'ils sont tous morts, eux autres, là. La raison pour laquelle tu n'as pas vu ta mère depuis un moment, c'est qu'elle s'est cachée. En attendant que je termine cette enquête. T'as donné le nom de ma mère? Elle le savait. Je lui en avais parlé avant. Elle était consentante et même... Elle est excitée à l'idée de voir... Tu la connais avec son sens de l'aventure et de... Oui. Et pendant que j'étais dans le trou, je croyais que... Je croyais non seulement que ma vie allait prendre fin, mais que la sienne était véritablement en danger. Et je dois t'avouer, Neuf, que... En venant ici, tu as non seulement sauvé ta tante, mais... Or, probablement ta mère aussi. OK, ben ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est un peu pourquoi je voulais... aller prendre un peu de repos dans les montagnes. Maman est là? Elle devrait, oui. OK. Mais là, t'es sûr que... Que les deux, vous êtes plus en danger, là. C'est les affaires de contrat, là, vous... On est aussi à danger que tu l'es présentement. C'est bien beau de leur avoir envoyé une rivière dans la figure, mais... Ils ont probablement pas tous noyé.
Oui, je comprends ça, mais... Il y en a probablement qui étaient sortis récolter quelque chose ou aller voir des clients. D'autres comme Arfinocti qui... Mais je ne m'inquiéterai pas trop. Je ne crois pas que ce groupe va se reformer aussi facilement. Surtout que les choses ont semblé avoir éclaté entre... Arfinocti, le frère de ton ami. Ouais. Ok, ben... Tout ce que je veux te dire, c'est qu'à partir de maintenant, tu as des ennemis. Là, j'ai des ennemis pour... J'ai des ennemis parce... Ok, oui, parce qu'on les a attaqués, mais je suis pas... On n'est pas dans un contrat, là. Non. Non. Mais... La petite fille que je quittais était celle qui n'avait vraiment connu ce... Qui n'avait jamais vraiment connu ce genre de choses. Tu croyais que ce que tu voyais à l'école était tes ennemis, mais... Laisse-moi te dire, c'était la petite bière. Ouais, ça, j'avoue que... Ouais, c'est pas la même game. Qu'est-ce que tu veux, Neth? De quoi, qu'est-ce que je veux? Je voulais savoir, je voulais que tu me dises la vérité. Tu ressembles tellement à toi. Mm-hmm. T'aimerais pas mieux te trouver une petite auberge, un petit coin tranquille? Accueillir les gens, chanter. Qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai pas eu le choix de me trouver une autre gang, là. Premièrement. Puis... Là, j'ai vu trop d'affaires, là. Si Ocrane, il dit que Temistar est en guerre, là... Tout le monde est en danger, là. Tout le monde. C'est vrai. Je peux pas juste aller me cacher dans une auberge, puis... C'est important, là, chanter dans les auberges dans des moments comme ça, mais là, on dirait que c'est trop tout en même temps. Je peux pas juste m'en aller quelque part puis chanter des chansons puis faire comme si tout ça, ça arrivait pas pour de vrai en dehors des chansons. Et plus juste pour écrire des belles paroles sur des tragédies, là. Quand tu vois les vraies tragédies, là, c'est... Je pense plus aux histoires en premier. C'est stressant, tout ça, c'est stressant. J'aimerais tellement t'accompagner. Mais... T'as plus vraiment besoin de moi. Ben là, c'est pas ça pour ça, là. C'est un concours de circonstances, là. J'étais tout seul. J'avais pas le choix de me trouver une nouvelle gang, là. Neferit Silco. J'aime pas ça quand tu dis mon nom complet. Si vraiment c'est le chemin que tu décides d'emprunter... Garde cette petite fille que j'ai dans ma tête et que t'as encore dans le visage, profondément dans ton cœur. Mais protège-toi avec la femme que tu es en train de devenir. Merci, mais on va se revoir, là. Tu t'en vas prendre des vacances, mais... Ah oui, on va se revoir. Ce sera pas long que l'armée ou... Quelqu'un d'autre d'important va m'envoyer une missive ou un message ou me rentrer quelque chose dans la tête pour que je me mêle de ce conflit. Mais là, tu travailles avec qui? Tu me dis-tu tout ou... Tu peux pas tout me dire? Bon, c'est ça. Mais t'es assez intelligent pour en comprendre une partie. J'ai des théories, là, peut-être... Tu m'as-tu tout dit, là? C'est-tu tout vrai, là? On est-tu correct? Je t'ai jamais menti. Ben, quand même, là. Sauf une fois dans un bar, c'est ça. Ok, je t'aime aussi. Je la prends dans mes bras. C'est bon. Elle te donne un bec dans le cou. Dans le front. Puis sur le nez. Ok. Et puis, t'inquiète pas. Laurent et moi, c'est passager. T'as le droit, là. C'était juste un petit peu beaucoup de PDA en même temps. Oui, je comprends. T'inquiète pas pour moi. Calais, collecte!
gravité! Oh. Wow! J'arrive, je suis pleine de terre, OK? Puis là, j'ai quelques verres un peu qui sortent de la bouche, puis je les colle. Max, comme ça, puis j'ai les canins. Canin collectif! Ah, oh, ça fait du bien de voir ça, hein? Ouais. L'amour, la vie. Je suis allée me déterrer des beaux petits verres. Tu vois ça? Oh, t'en veux-tu, Olaf? Hey, ça, c'est de la vie. C'est de la vie, c'est gratis. Ça, ça pousse en dessous de la terre. Ouais. C'est génial. Je les ai aussi trouvé des petites truffes. Mmh, ça, c'est oh, bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est notre dessert, la gang. Gâtez-vous. Est-ce que j'ai entendu truffe? Oui! Oui, monsieur. Il y a un bout de cigare en dessous. Donne-moi ça. Sans ses couteaux. All right. Moi, je, si je peux me permettre aussi, je sors mon kit d'alchimie. Oh, okay. C'est vrai, l'enfant. Puis je commence à patenter des enfants. Alors, vous êtes tous autour de ce petit feu qui est encore là. Périne et Néphérite sont un petit peu plus proches d'un coup pendant cette discussion-là, pendant ces moments-là. Laurent est en train de couper ses truffes, puis préparer ses trucs, par piper les champignons dans la poêle. Tout d'un coup, il relève le regard vers toi, puis fait... Qu'est-ce que tu fous avec ça? Je pense qu'il y a un petit peu de muguet. Non, non, non. Pas comme ça. OK, ben peut-être juste quelques tranches de... Qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Tout, ma chérie. Je suis pas en train de faire une crêpe, là. Je suis en train de faire des potions. Et tu crois que je suis devenu le meilleur cuisinier voleur de tous tes mystères en ne faisant que faire rôtir du porc? OK, ben d'abord, montre-nous comment on pourrait, je sais pas, moi... Faire des potions de soins? Rendre quelqu'un invisible? Ah, OK. Une seconde avec ton attitude de bouilleuse. Ou attends. Faire, je sais pas, moi... Apparaître, non. Faire transformer mes mains avec du feu? Ouais. Ou, je sais pas, moi, t'aimerais dire ça, toi, Max? T'es plus avoir de champignons sur toi? Non, je les aime quand même, mes champignons. OK, ben, voler d'abord. Ouais, voler. Voler. Ouais. Mais qu'est-ce que tu crois que c'est, ça? Une machine à souhait? Non, je sais pas. Quoi? C'est un kit d'alchimie? Je l'ai gardé un petit bout avant de te donner. Tu ne feras pas apparaître un lapin avec ça, là? Ça fait des potions. Ben, elle a une chance. Des ongans. Qu'on peut transformer des liquides en d'autres liquides, mais en quantité infinie. Va pas me dire qu'avec ce kit-là, on peut pas faire ce genre d'affaires-là. OK. Si tu changes d'attitude, je pourrais peut-être te montrer un ou deux trucs. Mais là, dis pas à mon amie qui est pas capable de faire des affaires. Elle essaie d'apprendre. Non, mais je peux dire à toi que tu es impertinente. Je pense que Laurent veut juste lui montrer par où commencer, peut-être. Hein? Ouais, ben Max, elle aime pas ça quand je choque après. Ben moi non plus. Bon. Je vais finir mes champignons. Merci, Eliwick. Ça me fait plaisir. Mais pas de joke, Laurent Courbouillon... Vous faisiez des blagues? Oui, c'était de l'humour. Vous m'avez eu! Vous m'avez eu! Ellie, oui, t'as fait ça! On est connu avec tout le monde! Ouais. Puis là, on est quand Ellie, oui, tu nous dis pas tout! Non. Bon, je ne vous crois pas du tout, mais c'est une belle tentative. Okay. Allez, ça va, ça passe. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'en prendrais peut-être un petit truc ou deux, là, comme... tu sais, moi, je pensais que si je mélangeais un peu de muguet avec de la truffe, puis j'utilisais ma... Parce que j'ai ça aussi, là, j'ai une jarre, puis dans la jarre, j'ai des liquides, là. Mettre un petit peu de mayonnaise là-dedans, puis ça devrait lever. J'ai de la mayonnaise, je peux faire de la mayonnaise. Ouais, c'est... Mais on peut rajouter d'ailleurs pour le repas, là. Je peux pas, ça sera pas. OK. Je... Ça fait pas une potion de soin, ça? Et bien sûr. Attends une seconde. Okay. J'ai... avant toute chose, je dois partager cette recette de champignons. Pour être certain que vous soyez capable de la refaire si je ne suis plus là. C'est la meilleure chose que vous pouvez manger, d'accord? Oui. OK. Alors, okay. Pour faire champignons. Cette recette... Il commence à parler de recettes de bouffe. La table. Puis pendant qu'il parle, il dit... Sois honnête avec moi. L'intelligence, c'est sa force ou... C'est quelque chose de plutôt délicat, quand même. Mais non, mais elle n'est pas débile quand même. Non, mais je ne voudrais pas que ça lui explose dans la figure, surtout avec son poil, elle brûlerait au complet. Non, mais quand même forte dans... assez...
bien identifier les fleurs, les odeurs. Ça y prend juste peut-être un petit cours de manipulation, mais ça, je peux le faire, ça. Si le reste est capable de le faire, moi, je peux l'accompagner. C'est une chose d'identifier la femelle du mâle, ça en est une autre de l'amener dans la couchette. Ouais, on n'est peut-être pas là, mais après, faire les mélanges, moi, je peux le faire, là. Ben voilà. Là où je voulais en venir. Je suis prête à vous montrer les trucs, mais en équipe. Oh oui, non, mais de toute façon, c'est moi qui y ai donné, fait que je pensais qu'on ferait ça ensemble, là. On avait prévu peut-être de faire ensemble, en tout cas, c'est plus qu'une suggestion. OK. Ben oui, je vais prendre ça en note. Et on se le fout dans la gueule, hein? Ah, c'est bon. Okay. Les champignons. On se le fout dans la gueule. OK. Tout noté. Bon, oui. C'est très clair. On va pouvoir transmettre ça à vos descendants. Bon. Hein, Férine? Parfait. Puis, Alors, allons prendre une petite marche tous les trois ensemble. Ah, OK. OK. Je vous expliquerai ça. Je ne veux pas vous embêter avec les théories et le fonctionnement de toutes ces bidules. Merci. C'est discuter bon. Ensemble okay. De tout et de rien. Et prenez soin de ma Férine. Mm-hmm. Allez, les filles. Vous partez les trois. Je reviens. Oui. Avec des choses à discuter. Il est quelle heure dans le jeu? Dans le jeu, 3h15. Non, il est... Non, faut qu'on se couche maintenant. Il est... Le ciel commence à devenir bleu foncé. Là. Il vous reste peut-être un 25 minutes de clarté de soleil. Okay. Mm-hmm. Moi, je me mets en mode préparation, sac de couchage, méditation, préparation pour le sommeil. On a eu de grosses journées, fait que je partage que je suis dû pour un bon moment de sommeil. À quel moment t'as entendu parler des serpents géants dans le corps? On est revenu là-dessus. Ben, c'est parce que c'est une... nous, on le sait, là, on a vécu dans la rue, là, c'est une légende assez populaire. Là. Ouais, ben, je me demandais, toi, comment tu l'avais entendu. Ouais, c'est moi, dans le fond, c'est ma mère qui m'en a parlé. Ouais, parce que quand j'étais petit, souvent, genre, elle me demandait de me coucher comme à 7 heures. Puis j'étais pas couché. À 7 heures, puis elle me racontait que, dans le fond, il y a comme il y a des serpents géants qui si, mettons, t'es pas couché à 7 heures, mais ils viennent te ramasser si t'es en dehors des murs d'Alcor. Puis j'allais me coucher. Ils sont où, ces serpents-là? Sont dans l'eau? Sont dans les égouts? C'est comme des serpents, ça peut être des sables, ça peut être dans l'eau, mais ouais, c'est comme plus une métaphore, là. C'est comme plus une... Tu sais, moi, c'est les gens dans le parc, ils voulaient pas qu'on aille se baigner, fait qu'ils disaient ils sont dans... Mais il y avait pas vraiment un serpent, là, tu sais, il y a pas vraiment... Non, mais ça, c'est ce que ma mère me racontait, mais tu sais, mais la légende, elle vient comme d'un roi serpent qui mangeait... OK. Non, j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Non, mais c'est du folklore d'Alcor qu'on connaît pas. Non, ça, c'est pas l'affaire de folle machin, juste là. Juste pour être sûr que... C'est vrai, moi, je la regarde avec une face qui veut dire « J'adore quand ils font ça, c'est du putain de génie. » Mais c'est ça. Fait, ça c'est... Un roi serpent. Oui, un roi serpent. Ben oui, sinon, comment si tu veux... Ben, il viendrait d'où, sinon? C'est ça, s'il n'y a pas de roi serpent, il ne peut pas avoir de serpent. Est-ce qu'ils pondent des œufs royales? Ben non, c'est pas le... Voyons, un serpent, ça ne pond pas des œufs. Ben oui, ça pond des œufs. Hein? Ben, mais ça, des serpents, ça pond des œufs. Non, ça accouche. Non, mais ça pond des œufs. Comme... Ben c'est pas un oiseau, là. Voyons. Mais non, mais c'est parce que lui, vu qu'il est géant. Non, ça, je suis pas mal sûr que c'était des œufs. C'était des œufs? Ouais. Écoute, ça se peut, ça fait longtemps. Mais des fois, hein, la tradition orale, ça change des fois. Fait que peut-être des versions qui avaient des œufs. Mais il n'y a pas d'affaire de version, c'est ça. Il y a ça, c'est pas une affaire de. C'est pas comme les dieux, là. Il y a un serpent. Et on joue à un jeu. OK. Vous verrez, c'est super simple et ça date d'il y a très longtemps. Bon, ça commence comme suit. La première personne doit taper sur sa tête. Okay. Ensuite, si elle brasse un 3, et elle commence à vous expliquer un jeu. C'est genre Canada. Oui. Un jeu que plus elle l'explique, plus tu fais. Ça existe pas. J'ai vu ça dans un livre. Ah. J'ai vu ça en essayant de parler à des soldats à un moment donné. Ah, OK. Oh non! Oui, le jeu! Il y avait dans un gars, dans le jeu, je comprenais rien, puis j'ai essayé de jouer, puis ça s'était pas bien passé. Quand j'essayais de remonter un vieux jeu, ça avait dit bravo. Fait que moi, je dis oui, wow. Tu connais ça, ce jeu-là, je suis bonne. Bon, ici les filles, sur cette grosse pierre.
dépose le matériel là. Et sors-moi tous tes réactifs. OK, j'ai du muguet, j'ai de la rose, j'ai des fleurs de framboisier, j'ai de la camomille, j'ai... Camoline. Ouais, camoline. J'ai, attendez, du feu ragé, du pain écorce. Oui, mais j'ai parlé de réactif. OK, ah oh, non, mais c'est ça, là. Ça, c'est de l'alcool, par exemple. Non. Non? Bon, donne-moi le pain ici. OK, le pain. T'as de la fougère? Non. Merde. Là, je peux en trouver de la fougère, ça, là. C'est pas sorti, là. La fougère, ça sent ici, la fougère en plein bon, nez, là. Bon, j'ai pas de chance, t'as de l'énuine. De l'énuine? Ça me dit quoi, ça? Non, j'en ai pas. De la calendule? Oui, non, bon d'accord. Non. Tu m'as dit, t'as du pain, c'est du ça? Du pain, oui. Bon, pain. Voilà. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. OK. Le pain, c'est un réactif faible. Ah oui, je sais. C'est ça. D'accord. C'est nécessaire d'avoir un réactif pour pouvoir activer les ingrédients. Activer les ingrédients. Et pour pouvoir réussir à avoir une potion avec une potence fonctionnelle. Fonctionnelle. Évidemment. Prenez note, Éloïne. Je prends les notes. Évidemment, l'un des meilleurs réactifs est l'énuine. L'énuine, oui. Il réagit à tout. Tout. Okay, tout. Oui. Et même que parfois, il a la possibilité de renforcer une potion qui normalement ne fonctionnerait pas. Mm. Un mélange qui devrait être caduque, autrement dire. Ah oui, moi, ça, j'avais pris. Bon, okay. Bref. Vous devez tout d'abord prendre soin de vos réactifs. Heureusement, le pain, la fougère, ce genre de trucs, ça se trouve facilement. Mais comme je l'ai dit, ce sont des réactifs faibles, ce qui vous donne moins de chances de réussir votre potion. C'est quoi, mettons, le porc? Les nuits. OK, c'est ça. Voilà, ce sont des réactifs. À eux seuls, ils ne feront rien. Mais mélangés avec d'autres trucs... C'est ça. Là, waouh. Voilà. C'est ça. Idéalement, pour avoir une potion efficace... Vous devez mélanger les ingrédients qui ont tous le même... comment je pourrais dire? Le même... degré de d'odeur... texture. Alignement chimique. C'est ça. Okay. Disons ça comme ça. Okay. Et donc, une plante qui pourrait vous permettre de faire du poison, par exemple. Et là, je simplifie la chose pour ne pas faire chier tout le monde, vous comprenez? Mais une plante qui pourrait servir de poison, ouais. Avec une autre plante qui pourrait servir... de poison. Exactement. Ouais. Ça ferait pas du poison. L'inverse, ça prend du poison. Ouais, on a compris ça, 2+2. Plus voilà. Égale plus. Vous mélangez ensemble avec le réactif. Et l'important après, c'est de bien vérifier votre mélange et d'espérer que la potion vire du bon côté. OK, fait que là, comme réactif, on a quoi? On a juste du pain? On a juste du pain. On n'a pas des nuits. Il y en avait ça dans la forêt. Dites-moi ce que vous avez, ça. Eh bien, camoline, furagé, ensuite, pain écorce, calendule, j'ai une torche, j'ai de la rose, des truffes, un champignon bleu luminescent. Oui, ça, c'est un petit champignon, je trouvais ça dans une, un sous-sol. T'as pas de... Non, ça, c'est de la roche, peut-être, là, de la félinite, tu sais. Ah, il nous reste peut-être un petit peu de félinite. Non, dans une potion, c'est dur à digérer. Ah oui, OK. On parle... plus particulièrement de plantes ici. J'ai du muguet aussi, ça je l'étudie. Oui, ouais, bah, voilà, très bon pour le poison, le muguet. Ben ouais, c'est ça. Fait que là, un muguet avec quoi? Qu'est-ce qui serait bon pour le poison? Ben, de l'acté rouge. De quoi? De l'acté rouge. Hey, ça oui, j'ai ça de l'acté rouge. J'ai juste pas là devant moi, mais j'ai ça. Oui. Mais oui, parce que je l'ai noté sur une autre petite carte que là, je retrouve pas. Mais oui, j'avais acté rouge. Eh bien, voilà. Voilà, acté rouge, muguette. Et pain écorce. Ouais. Mélangez ça avec un peu d'alcool. Oui, le pain. Mmh. Dans les bonnes quantités. Oui. Réduisez l'écorce de pain. Oui, oui, c'est bon. En petite particule. Oui, c'est ça. Mélangez ça avec de l'alcool pour diluer les essences. Pardon. Utilisez le procédé alchimique du kit d'alchimie pour éventuellement distiller l'essence même de ce mélange. Puis, une fois la distillation complétée, et parfois, dépendamment d'où vous êtes, ou de quelle heure il est, ou de dans quelles conditions vous vous trouvez, ça peut être plus ou moins long. Hein? Eh bien, vous obtiendrez une potion de poison. Très bien. Une potion de soin, on ferait ça avec, évidemment, de la camoline. Oui, la camoline pourrait aider. L'idéal, c'est l'iradianil. Ah, ben ça. T'en as de l'iradianil? Non. C'est ça, non? C'est plutôt difficile à trouver. On en a ici, mais. On en a vu, mais. On en a pas. Premièrement, être dans une forêt aide beaucoup à trouver un arbre. Hmm? Alors, l'iradianil, ça serait plus là-bas qu'on le trouverait. Mm-hmm. Et puis, mettons. Là, en ce moment, dans cette forêt-là, y a-t-il des choses qu'on devrait
Donc, vous n'êtes pas dans une forêt, là. Une forêt, ça nécessite des arbres. Des gnomes ou pas? Ouais. Tu l'as senti, y a-tu de la fougère? Il y a plein de fougères, c'est là. Non, la fougère, c'est dans les forêts. Mais... Bon. OK. Bon, ben, ce qu'on a là, on peut faire une petite... Mais pour poison, là, j'aurais souhaité autre chose. Tu aurais souhaité quoi? Ben, du soin, tu sais. Nous, on a... Non, mais Max, c'est une affaire à fois, tu sais. On peut... Mais j'en ai déjà fait une potion de poison, en plus, sans mon kit d'alchimie, là. Je veux dire, pas besoin d'en faire une autre. Si tu me prêtes tes ingrédients, je peux essayer de, comme, tu sais, faire la petite distillation, là, tu sais, pour le poison. Ça pourrait être utile quelque part. Puis la prochaine chose qu'on fera, quand on trouvera une forêt, c'est... un remède, là. Ouais. La question importante, c'est... Tu veux faire une potion de poison pour la mettre dans un autre liquide ou quelque chose comme ça, ou la boire toi-même, ce qui serait un peu ridicule, ou tu veux faire un onguent ou une huile que tu pourrais mettre sur des arbres, par exemple. Mettons, on peut en mettre sur les arbres de Zokyo ou... Ouais, ça, ce serait pas pire. Ça, mais c'est ça. C'est... Oui, ce serait pas pire. Alors, je reviens en DM pour vous expliquer comment ça fonctionne. OK, parfait. En mécanique. Un peu comme quand tu essaies d'identifier tes plantes. Ouais. OK? Une fois que tu as réussi à identifier tes plantes, puis que tu es capable de les cueillir ou de les trouver, quoi que ce soit, tu en arrives à vouloir faire ton mélange. Fait que tu as recueilli, bon, deux trucs qui te permettent de faire du poison, par exemple. Mm-hmm. Tu les mélanges ensemble. Et là, tu dois brasser avec soit, si tu veux faire de l'onguent, avec soit quelque chose de plus, une matière un peu plus pâteuse ou une huile plus froide qui va te permettre de le ressouder. Ou si tu veux faire une potion avec de l'alcool ou des fois avec de l'eau, dépendamment des formules. Et tu dois faire un jet pour savoir si tu réussis ton mélange. OK. Un jet avec ton dévin. Mm-hmm. Une fois que tu réussis ton mélange, je te demande de faire un jet avec ton D12. J'ai dit D12 parce qu'on s'en sert pas assez souvent. Non, t'as raison, il est négligé. Pour savoir combien de jours ça va prendre avant que la distillation soit complétée. Ouais, bonne idée. OK. Essayons-le. Parfait. Alors, vous avez votre acté rouge. Les deux. Acté rouge, muguet. Ah, tu veux-tu le faire? C'était quoi? Y a-t-il un bonus à ça? C'est que pour utiliser le kit d'alchimie et pourquoi c'est important qu'Eliwick soit là, ça nécessite ton bonus d'intelligence. Ah, c'est ça. J'ai pas hésité. Okay. Puis sinon, j'utilise-tu ma proficiency pour le kit d'herboriste? T'as pas besoin de proficiency avec le kit d'alchimie pour l'instant. Non. Puis pour l'herboriste, c'est plus pour cueillir puis tout ça. Lorsque vous aurez réussi vos deux premières potions, okay. Je considérerai que tu seras devenu proficient avec le kit d'alchimie. Ah, c'est bien. Okay. Mais là, moi, je ne sers pas à rien là-dedans. Ben, tu sers à trouver les ingrédients. Mais oui, parce que moi, je ne peux pas les trouver, les ingrédients. Ah, elle va tout me shipper, puis elle va y faire tout seul. T'en connais? Classique. Cadeau de traite, ça. OK. Non, je pensais qu'elle allait nous rapprocher. non. Amour, haine, hein? C'est ça. Bon, mais là, Eliwick, garde-les d'abord, c'était tout. Mais non, là, Max, tu comprends pas, là, c'est... Moi, je l'ai pas le flair, là, j'y connais pas, les plantes, là, la nénuine, je sais pas c'est quoi, moi, puis à part de la fougère, tu sais, moi... Fait que t'as besoin de moi, dans le fond? J'ai besoin de toi pour identifier les plantes. J'ai besoin de toi? Ben oui. Oh, mais bon. OK. Ben, je vais t'aider. Puis je vais t'aider. Puis on va s'aider. Yes. OK. Fait qu'on l'a fait-tu, notre première potion pâteuse? Ouais, c'est qui roule? Ton gant de poison. C'est toi qui fais le dévin. Vas-y. Oh boy. Bon, j'ai eu 7. OK. Non, mais c'est pas un dévin, il fallait que je brasse. C'est un des 12, je te dis. Non, dévin, pour le mélange. Si tu réussis, c'est pour savoir combien de temps ça va prendre à la distiller. J'ai eu 18. 18? Plus l'intelligence. Plus l'intelligence? Ouais. Ouais. Il fallait 20? Ah! Fallait 20! Fallait 20! Girl! Tu l'as eu? Shit! Fallait 20, toi? Ouais. Tabarouette! Faire une potion, là, wow! Ouais, okay. Mais quand tu vas être proficiente, ça va être plus facile. Ouais. Tu comprends? Fait qu'on aurait eu. Combien de jours? Prends un des 12. Prends un des 12. Combien de jours? Deux. Dans deux jours, ça va être prêt? Yes, that's it! Fait qu'il fallait un petit dé pour le deuxième. Okay, fait alors, un 20 pour Pouillot. T'as Laurent à côté de toi qui... Fais bien attention d'être sûr que tu fais les choses dans le bon ordre. Il te rappelle à peu près 45 fois que c'est très important de laver
des trucs, le petit Béchère, le petit... ces mots-là. Là. Herlaine Meyer. Dis Herlaine Meyer. Herlaine Meyer, oui, je connais ce mot-là. Herlaine Meyer, puis tout ça. Même enfant. Et donc, tu prépares les mixtures, tu calcules en grammes les petits ingrédients, tout ça avec ta petite balance. Oh. Tu mets tout ça à l'intérieur. Évidemment, c'est pas quelque chose que vous êtes capable de faire en 5 minutes. OK. Je considère que dans une heure de repos, vous pourriez être en train de faire ça. Mm-hmm. Ah! OK. Dernier. Ou quand vous êtes comme à un autre moment, là, où vous voulez le faire avant de vous coucher. Mais c'est sûr qu'en 10 minutes, là, ça se fait pas en rituel de préparer cette petite affaire-là. Ça prend nettoyer tous les trucs, tout hacher, tout ça prend son temps. OK. Alors, tu mets tout ça dans un petit sac que tu mets dans le fond d'un... comme un thé, si tu veux, que tu mets dans le fond d'un récipient dans lequel vous versez. Et là, vous vouliez faire quoi? Quelque chose qui va sur les arbres? Oui, on fait tout ça. Ouais. Plus on sur les arbres, genre, oui. Sur les arbres. Vous versez de l'huile dedans. J'utilise ma genre d'alchimie. Mm-hmm. Ben oui, pour sortir de l'huile. Mm-hmm. Juste à la bonne quantité, vous l'écrasez avec le mortier, vous faites chauffer le truc, vous voyez que la couleur commence à changer, puis là, ça rentre dans la petite flûte, puis après quelques minutes. Et là, ne vous inquiétez pas, ça sort liquide parce que c'est chauffé, mais en refroidissant, ça va donner l'onguent, vous lisez. Oh, c'est génial! Je pense qu'on a réussi, Max. Oui. Ben voilà, c'est ça. OK, fait que là, faut qu'on trouve de l'iradianil pour la prochaine potion, là. Alors maintenant, Pourquoi t'enlèves ta chemise? Ah oui, désolé, je vais retourner au feu. Il y avait chaud, peut-être? Il fait pas si chaud. Ah, mais oui, mais c'est un onguent de poison. Il... C'est pas prêt, tu viens de nous le dire. Mais oui. Oh. Ah, t'es super, c'est jeu, je vais jouer moi aussi! Tatoa Quick 14! Ah, j'ai lu! Rakani, c'est moi qui ai gagné! Tu m'en venais bonne, là! J'ai pas gagné une fois, là. Ouais, mais c'est la deuxième fois. Mais il a juste gagné parce qu'il a bien tapé. C'est parce que j'ai eu un. Avant d'avoir mon Rakani, j'ai eu un sapatou. Sinon, ça passerait pas. Mais c'est parce que t'es. Vu que t'es dual weapon, il est meilleur. Ouais, ouais. Ben non, mais c'est ça, mais non, mais je pêche pas dual weapon. Non, mais ton shield, là. Comment? Je les ai ceux-là. Ouais. Et j'allais enchaîner avec un pilon de roue. Ouais. Fait que j'ai gagné juste à temps. Juste à temps. Parce que sinon. C'était sur le capot avec les pieds en l'air. Là, c'est dur à voir, ouais. On va jouer à un jeu plus simple. Mais là, c'est quand même simple, c'est... Ouais. C'est bien vous, les amis. J'irai me coucher. Ouais. Ouais, je pense que... Beaucoup de gens, ils ont besoin de repos. Ouais, ouais. C'est bien long, leur affaire. Ouais, c'est long. Devrais-tu les attendre ou on leur fait confiance? On est là! Ah, bon. Mais enfin, moi, je suis là. Parlant du loup. Sont-tu correct? Ah, sûrement. Voyons. Ouais. Ça a été sûr, parce que... C'est vrai que ça t'est pas fini, comment tu voulais que ça se finisse? Mais qu'est-ce que j'ai de buzzer? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Bon, on va se coucher. Ouais. Moi, je sors mes aiguilles et je médite. Et je prendrai un moment pour utiliser mes aiguilles. Oui, je vais le faire maintenant. Oui, alors je prendrai un moment pour utilisation d'aiguilles. Parfait, qu'est-ce que tu fais? Alors, je commence à méditer, je prends un temps, peut-être un 15 minutes, vraiment m'assurer que je suis groundé, tout connecté avec moi-même. Je commence par planter une aiguille vraiment dans ma main. Puis j'essaie de me connecter avec mon moi intérieur, vraiment là, tomber dans une grande paix intérieure, un grand vide. Parfait. Un jet de sagesse? Oups. Oh, c'est bon. Alors, 24. 3, 23. De sagesse. Ben, excuse-moi. 22. Où veux-tu aller? Que veux-tu atteindre? J'aimerais pouvoir atteindre une sphère slash un niveau de conscience que je n'ai jamais atteint. Je suis conscient que je suis peut-être un peu fatigué puis éprouvé de tout ce qu'on vient de vivre, mais quand même, là, on a passé un bon moment, là, on s'est reposé, on a joué à des jeux et tout ça, fait qu'il y a comme un certain calme, la poussière s'est vraiment redéposée en dedans de moi, je crois. Donc, ouais, j'essaie d'atteindre un niveau de conscience jamais atteint.
tu sais, un peu, là... excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Tu sais, un peu... vraiment comme... un peu, là, communiquer avec... avec les astres, tu sais, communiquer avec d'autres consciences, vraiment s'élever de juste le moi intérieur. Tu sais, ça, je l'ai visité, là. Mm-hmm. Au-delà de ça. OK. Oh. Tu... Ferme des yeux. Ouais. Et rapidement, dans tes respirations, tu te sens t'élever, t'alléger. Et retourner presque sans même d'effort dans le plan astral où tu parles avec ton père. Mm-hmm. T'atteins ce plan-là facilement. Et tu vois ton autre toi devant toi. Hmm. Qui lui-même est en position de méditation. Il est comment l'autre moi? Encore avec toutes ces aiguilles qui dépassent de son corps. Mm-hmm. Et devant lui, ton père est là, debout. Te regarde. Me regarde, d'accord. Et puis... Il avance vers toi lentement. Olaf. Mm. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Avancer. Essayer de comprendre des enseignements. Grandir aussi, je pense. Je pense que j'aimerais ça... peut-être devenir un petit peu plus comme toi. C'est étrange ce que tu me dis. Je ne pensais pas que tu voudrais ce genre de choses. Non plus. Tu marches un autre chemin que le mien. Même si... J'ai tiré sur toi... Beaucoup plus que je l'aurais dû pour te faire visiter le mien. J'ai compris quelque chose, Olaf. Je t'écoute. Ça ne te plaira peut-être pas tout de suite. Je suis prête. Je suis prête à entendre ce que tu as à me dire. Oh! Oh! Je vais voir si je touche. Oh. Combien? Donne les petites volées, même. 14. Non. Non. Oh. Tu vois son cou arriver. Mm. Tu recules dans les airs pour l'éviter. Mm. T'es plus rapide. Mm. Si tu fais rien à ton tour, il va essayer de t'attaquer. Mm. Qu'est-ce que tu veux dire si je fais rien? Si tu réagis pas, ouais. Il va essayer de t'attaquer. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je réagis pas. Il manque son coup encore. Mmh.
Olaf. Tu pourras pas fuir éternellement. Il resterait de t'attaquer. Ouch. 21. Ah, il me pogne. Il va utiliser un point de ki. Ouais. Par Fury of Blows. Ok. C'est un des 6, hein? Ouais. Donc, c'est 3 coups. Non, Fury of Blows, c'est 2 autres attaques. Attends. Je t'ai pogné une fois. Mm-hmm. Puis là, j'embrasse 2 fois. J'ai une question pendant que tu brasses. Ouais. Est-ce que dans mon moi astral, j'ai le même équipement que j'ai dans mon moi pas astral? Genre une chaîne, des choses comme ça, là? Oui. J'ai tout ce que j'ai. Ouais. Ok, parfait. Continue. Donc, Fury of Blows, c'est 2 attaques de plus, si je me trompe. Exact, pas. Ouais. Donc, 17. Donc, je touche. Il doit avoir, il doit avoir plus qu'une attaque, là, mais. Ouais, mais. Et la deuxième, je ne touche pas. Ce qui fait que j'ai 2 attaques qui touchent. Ok. Avec un des 6, chaque attaque, plus. Oh mon dieu. Oh. Très mal brassé. Donc, je te fais. 11 points de dégâts. Ok. Ah! Au moment où il me frappe son dernier coup, je me suis comme un peu laissé, il doit le voir, que je me suis comme un petit peu laissé faire, un peu. Ouais. Est-ce que je touche avec 15? Non. Est-ce que je touche avec 17? Fraîche. Je peux pas utiliser ça. Je viens de finir ça. Je viens de finir mon. Il y a. Il te regarde. Ouais. Puis il y a de l'eau dans les yeux. Puis il te dit. Voilà. Je t'ai empêché d'évoluer. Trop longtemps. Pas moi. Mais là, hein? C'est ta prochaine étape. Oh. Reviens quand tu seras prêt. Il saute par en arrière. Et tu vois, c'est le bon. J'ai pas pu faire ce que je voulais faire. J'enlève mon aiguille. Est-ce que j'ai des dégâts réels? Oui. Je me couche dans mon sleeping bag. Là. De mec. De mec. Ben, moins 25. Mm-hmm. Tout est cousu. De mec, Non, mais la marque. Non, la marque. Oh, ça, c'est bon. Mais du coup, quand il l'a dit sur le coup, j'ai pas fait ça. Ah, mec, là. C'est un sleeping bag, mais au milieu, à peu près, il y a comme juste un petit remplement au cas où. Je fais beaucoup de plein air. Je connais toutes les références. Fait que je me sleeping bag mort. J'étais en tailleur, si on veut. Fait que je me couche. J'étais en tailleur, évidemment, puis je me couche, genre épuisé, là, vraiment le dos, puis je m'endors pas longtemps après. Parfait. Bon, ben, c'est pas lui qui va prendre le premier tour. Ben, non, mais je peux, moi, ça me ferait plaisir. Ouais, repose debout, là. Ferrime aussi, là. Moi, je peux prendre le deuxième. Moi, j'ai full d'énergie. Ces petits verres de terre-là, là, mine de rien. J'ai comme une énergie, là. T'es-tu bon avec les trucs? Ouais, un excellent mélange. Cru, surtout. Il est fâché. Bon, ben, bonne nuit, enfin. Puis je me couche. Tu dis qu'on est en girls? Non, moi je suis couché, là. Non, bon. Non, je vais prendre le deuxième tour. Parfait.
Est-ce que tu veux faire quelque chose pendant ton tour? Ben, j'aimerais ça ouvrir le livre des histoires de la guerre tactique Cape West. OK, parfait. Ouais. Ouais. J'aimerais ça savoir, j'aimerais ça chercher, en fait, y a-tu, soit dans prouesse ou dans tactique, parce que je suis pas sûre de savoir où c'est que t'as ça se trouve. T'as bien eu le titre, oui. Non, mais c'est pas que la partie que je veux chercher, c'est que je sais pas si c'est comme dans quelle partie, mais j'aimerais ça savoir s'il y a quelque chose qui parle de... Le dieu qui a été touché dans le livre, là, c'est Andes ou c'est... Oui. Okay. J'aimerais ça savoir si, dans l'histoire où les prouesses et tactiques, machin, il y a quelque chose qui parle de ce moment-là comme étant une prouesse ou une tactique de guerre. Fais-moi un jeu d'intelligence. Je te dis jeu d'intelligence, mais ouais, fais-moi un... Oui, c'est ça. Fais-moi un jeu d'intelligence. Straight. Je prends lui, là. Ouais. Hmm. Eyes. OK. Tu te rends compte que le livre est beaucoup plus technique que ça. On va parler de certaines anecdotes et expliquer, par exemple, quelles ont été les manœuvres que l'armée a utilisées pour en arriver à cette victoire-là, même si le nombre de soldats était bien plus inférieur à l'armée adverse. On va parler de technique et de compétences de soldats. Comment acquérir de nouvelles compétences, par exemple, ou comment développer des nouvelles compétences en tant que guerrier ou soldat, des nouvelles tactiques, des nouvelles connaissances. C'est un vieux livre. Ça parle aussi un petit peu des... Il y a une petite section sur les paladins, qui étaient ces soldats, si on veut, mais qui étaient les champions de certaines déités. Donc, ils retiraient leur pouvoir de leur connexion avec le divin, dans le fond, puis arrivaient à faire de grandes choses. Les dieux qui étaient cités là-dedans, il y avait Andes, il y avait Gorun, il y avait... Voyons, là j'ai un petit blanc. Il y avait Inara. Et là, je vais pas me tromper, mais il y avait Tess. Tess, j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Laisse-moi retourner voir. Je ne m'attendais pas à voir cette question aujourd'hui. Mais j'ai les notes. Parce qu'on n'a pas entendu parler de ce dieu-là, cette Tess. Du Nord, non. Tess, oui. Ouais, mais c'est pas elle. Excuse-moi, je me suis trompé. Ouais. C'est Prima. Prima. Oui, ça, ça me dit quoi. La déesse de l'amour. Mmh. Est-ce qu'il y en aurait un autre? Tu vois que... Murienne, non? Non. Fait que t'as Gourinandès, Prima. Gourinandès, Inara et Prima. Majoritairement. Ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres, mais les autres sont peut-être pas aussi communs pour ce genre de choses. OK. Pas mal. OK. J'ai une petite dernière affaire. Oui. Et dans mettons, les tactiques, s'il y a une section tactique, est-ce qu'il y aurait quelque chose de précis qui pourrait nous aider? C'est-à-dire, si on n'est pas beaucoup vis-à-vis une armée ou une créature quelconque... Qu'est-ce qu'il suggérerait dans le livre de faire? Y a-t-il comme quelque chose d'assez évident qu'on n'aurait pas pensé ou qu'on pourrait pas penser que je pourrais mettre dans mon type à chaque? Ça parle beaucoup de manœuvres militaires et de manœuvres de soldats et tu te rends compte en lisant que c'est le genre de sujet qui serait probablement beaucoup mieux maîtrisé par quelqu'un d'autre. OK. C'est bon. Je prends en note. Okay. Je vais peut-être glisser ça subtilement dans un petit pocket. OK. OK. Bon. C'était pertinent comme recherche encore. Ben, t'as trouvé des petites choses. Yeah. Est-ce que quelqu'un d'autre... Est-ce que ton tour de garde se termine et vos tours de garde seront assez paisibles. Alors, si vous ne voulez pas... Si vous avez des choses à faire, c'est le moment. Si vous ne voulez pas, on peut dire que vous passez votre tour de garde. Non, moi, je passe mon tour de garde. Parfait. Et le troisième, c'est toi? Oui, je passe aussi. Parfait.
Le jour se lève. Le soleil se lève au-dessus des montagnes. Vous voyez les premiers rayons. Comme si les montagnes avaient décidé de vous jouer un tour, le premier rayon de soleil qui apparaît bien éclairé en immense cercle, exactement la région où vous êtes, sur la plaine. C'est beau. Et les premiers qui ont la chance d'ouvrir les yeux voient. Voient en fait toute cette lumière lentement déferler sur la plaine au loin. Et comme vous êtes en flanc de montagne, vous voyez la rivière, vous voyez loin la forêt, vous voyez la lumière avancer et révéler devant vous l'immensité des mystères. Oh. Bon. Eh bien. Merci, Ozokyo. Merci, Ferin. J'oublie jamais les gens qui m'ont sauvé la vie. J'aime. Moi non plus, t'es le premier. Elle te prend derrière le cou, puis elle t'embrasse, mais juste là, là. Juste là. Il mange un verre de travers. Puis juste à côté de toi, t'as Laurent Courbouillon qui fait. Ah, je l'aime, je la trouve belle, mais quand elle séduit d'autres hommes, elle est encore plus belle. Puis quand que je fais. Bye. Au revoir. J'avais pas dit oui, hein. C'est pas. J'avais pas. Okay. C'est pas. Il y avait pas eu de. Non, non, mais il y a pas de problème. Tu sais, si tu veux. Okay, okay. Je me mélange pas. Hey, Lewick. Max. Hey. Puis je détache. Je prends ma griffe, puis je détache un petit bouton. Non, non. J'y tape, j'y détache un bouton, puis j'y tape le chest. Okay. Hein? Body, body. Elle te fait la même chose. Tu pensais que c'était Laurent, hein? Oui. C'est ça. Excusez-moi. C'est Cyril. Oh, je fais ça quand même. Pompon. Non, mais tu sais. Ah, coudonc. C'est une coutume que je n'avais pas encore rencontrée. On fait ça par chez nous. Ah, ben. Voilà. Un plaisir. Puis merci pour ce que vous avez fait ben, pour nous, puis pour ce que je considère comme être un frère. Elle te regarde. Puis elle fait. D'accord. Puis elle essaie pas de t'embrasser. Ah. J'ai rien vu. Aïe, aïe. Elle a choisi. Qu'est-ce que t'as, bitch? En tout cas. Puis elle te regarde. Pendant ses bras. Puis elle dit dans l'oreille. Laisse-moi. Une semaine ou deux. Tu pourras chanter où tu veux. Non. Dis au revoir, maman. Pas par la bouche. Pas par la bouche. Elle te prend par. C'est ma demi-tante, ok? Elle part derrière le cou et la mâchoire, puis elle fait. Je suis désolé. Excuse-moi. Je suis désolé. C'était la seule façon. Merci. Je t'aime, des filles. Moi aussi. Laurent, tu fais quoi? Bah. J'ai un gros horaire, mais je peux bien t'accompagner encore un peu. Non. Oh. Allez, viens. Puis partent en direction des montagnes. Pour commencer à. Regravir les montagnes dans une destination que seul Nef devine à peu près. J'espère qu'elle ne brisera pas le cœur, honnêtement. Ouais, surtout qu'elle était juste passager. Bon. Oh, avez-vous écouté toute notre conversation? Non, ça c'était non? Sam qui parlait. Ah, okay. Ouais, c'était ce film. Vous voyez Laurent qui revient en courant? J'ai oublié. Et je voulais dire une chose. Si jamais. Vous voulez organiser une grande fête. Là, il fouille.
puis il sort des cartes d'affaires. Ah! Il distribue. Traiteur! Hé! Hey? Laurent Combouillon, traiteur! Je vous garantis une expérience particulière. Je regarde la carte, puis j'essaie de regarder, de voir s'il n'y a pas comme quelque chose. Un message caché. Un message secret. Non, non, absolument pas. Non, c'est vraiment. C'est vraiment. Non, ta carte d'affaires. C'est vraiment un traiteur. Ah. Mais non, c'est que je ris, hein! Ah! Toi et moi, ça ne fonctionnerait pas. Bon! Hélène! Vous le connaissez d'où, lui? Ah, les mauvais délits. Il faisait là, un potage aux pommes, là. Ben, pas ouais, un potage, mais un gros pommes. Avec des pommes, Piazzocchio, il aime ça. Ouais, justement, notre rencontre, on était au Moulin des Lys, tu t'en souviens? Ouais. On l'a pas connu longtemps, mais c'était marquant. Ouais. Un grand cuisinier. Ouais, ouais, ouais. Oui. C'est ça. Il me que ma tante était plus front of the house que... En tout cas. Fait que Lindstroll? Lindstroll, oui, parce que... Lindstroll étant sur le chemin de... Il m'a-tu répondu, OK? Ouais, c'est vrai. Ben, t'as pas regardé ton livre. Ah, on read. Faut que tu prennes tes messages. Ben, t'as ghosté. J'ouvre mon livre. Il t'a ghosté. Ozokyo. Oui. Ozokyo. You up. You up à 3 heures du matin. Ça flash. Il y a plein d'émojis. Torse en colère. Oh. C'est très, très bon. Tu lis... Tu lis les... Tu lis... Les deux pages, parce qu'il n'y a pas... Comme la règle en temps de guerre. Nous sommes au fort. Au fort de... Je dirige de là-bas. Je n'y resterai probablement pas si longtemps. Balitse est aux portes d'Alcar. Puis, de moi, de ce que je sais, est-ce que si on va à Lindstroll, on prend un grand détour par rapport au fort? Ah, t'es pratiquement en ligne droite, en fait. Ça serait le bon chemin. OK. Hmm. Bon, ben, on s'en va au fort Orlan. Donc, de toute façon, c'est sur le chemin. D'Orlan. Attends, là. Orlan. D'Orlan. Pourquoi on va au fort d'Orlan? C'est D-O-R. Il n'y a pas d'apostrophe. D-O-R-L-A-M. Hmm. C'était un général il y a longtemps. Qui venait pas nécessairement de Thémistère, mais qui était reconnu pour justement ses manœuvres et l'entraînement qu'il a fait à son armée. Puis tout ça, dans l'histoire des soldats, c'est quelqu'un d'important. Okay. D'Orlam Firouz. On s'en va là parce que Okren a besoin de nous. Là. Je sais pas comment, mais. Ben, Okren a besoin de nous. Okren a besoin de soldats, sûrement. Okren a besoin de chair à canon, peut-être, mais... Non, il va pas nous sacrifier comme la chair à canon, là. Mais je dois plein de choses à ce... Ouais, mais là, tu trouves pas qu'on y en a donné assez, là? À tout le monde, là. Non, ben là, c'est plus comme... C'est plus comme, tu sais... Tu sais, comme quand ton ami... Il déménage là, d'auberge, là, tu l'aides à transporter ses grosses affaires. Mais c'est un peu ça. Là. C'est comme un ami que j'appelle général. Là, mais c'est... Non, mais si on va là, on s'en va en guerre. Là. On s'en va pas. On est en guerre, on pourra pas s'en sortir. Là. Ben, on pourrait peut-être s'en sortir si on s'en va. On n'est pas, non. Non, mais on peut aller voir Okren pour au moins savoir ce qui se passe. Parce que Balitse, si Balitse est aux portes, qu'on aille où on veut, ça va péter. Fait que moi, je dis qu'on va à Lindstroll parce que la famille, c'est important, puis après, on s'en va là-bas voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux trouver à Lindstroll, Lilwick? Des réponses, voir si ce qu'on a vu dans le livre, on peut le retracer là, voir si le tronc d'arbre où j'ai habité est peut-être creusé, puis je sais pas, qu'est-ce que je pourrais trouver. Correct. Peut-être qu'avec vos yeux, vous allez voir d'autres choses. Peut-être que peut-être qu'ils l'ont construit. Je sais pas. Ça fait quand même longtemps que je suis partie de l'Oride. Ça fait. Voilà, ça commence à faire un bout de temps. Hein. Ça fait plusieurs mois, là, bientôt un an même. C'est bon. Il reste pas tant de monde. S'ils sont là, sont aux alentours. Mais le village pratiquement complet avait brûlé. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est correct. C'était pas une question piège. C'est... Je voulais juste savoir. Il y a la roche. Ben oui. La roche, on a laissé une trace quand on est allé dans le livre. Non, ça non. Va nous dire beaucoup si cette trace est sur la roche en ce moment. C'est vrai. Je vais être encore plus fucky dans les parallèles. On y va. Moi aussi. On va à l'hydrole, c'est sûr. Après le fort,
On peut en reparler peut-être parce que. De toute façon, regardez, on n'est pas. On n'a aucun contrat qui nous lie à personne. Là, on s'est libérés, on est rendus des affranchis. Fait qu'on va là, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Puis si c'est trop demandant, je ne vous demanderai pas de me suivre à la guerre ouverte. Là. Non, c'est juste parce que la guerre. Il y a des gens qui. Ouais. J'ai déjà entendu ça, moi. Ah, ça me dit. Ah oui. Ouais. Ça vient d'où? Les auberges, on dit ça. Ah, c'est un toast. C'est qui vient de parler? Qui parle? Comment il s'appelle le taquin. J'aimerais ça que mon écureuil soit. Ah, c'est pas. Bon, ben, Lindstroll. On s'y dirige. Ouais, ouais. Let's go, les affranchis. C'est encore pas ça. Et les amis? Oui. Oh! Là-dessus. Non! Court épisode. Non! C'est comme ça qu'on va. Mmh, ouais, je sais bien. C'est comme ça qu'on va terminer cet épisode. Cataboudin. Maintenant que vous avez choisi votre direction, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. J'aime. J'aime. C'est party parce que là, j'ai des choses. Alors, moi, j'ai vraiment hâte au prochain épisode. vraiment. Passer par l'Instball, c'est bien. Oh my god. Tous les dragons sont là. Yes! On va trouver toutes les couleurs. On va trouver toutes les couleurs, puis on va les mettre dans notre bail. J'aimerais ça. Alors, merci beaucoup d'être avec nous et de nous encourager et d'écouter tous ces épisodes et tout ce contenu. On vous apprécie énormément. Et. La semaine prochaine. Bye, Solis. 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 Bye. The party.